là là, bonjour à vous, c'est encore moi, Junior Lobo. Aujourd'hui, là, je vais m'adresser à mes sœurs, les deuxièmes bureaux, parce que vous aimez bien quand on vous appelle maintenant les Chisa. Bon, mes sœurs, abonnez-vous d'abord, hein, vous qui regardez si vous n'êtes pas encore abonné. Je dis, hein, pourquoi vous avez tout pour habitude de faire que lorsqu'un garçon vous invite chez lui, après votre passage, vous laissez toujours des histoires comme un slip à la douche, un vernis, les traces des cheveux à la douche. Mais franchement, tu laisses ça pour qui? Tu veux montrer à qui que tu étais là? Mais tu n'as pas remarqué que même quand tu appelles pour dire que oui, j'ai oublié tel truc, machin, on te dit oui, c'est que tu es à tel endroit parce qu'on a scanné la maison après ton départ, maman. Et déjà, on scanne pour voir si tu n'as pas volé des choses. En même temps, on scanne aussi pour voir si tu n'as pas oublié les choses parce qu'il ne faudrait pas que la titulaire, la vraie, puisse trouver ça là. Sinon, ça peut créer des problèmes. Donc, ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, quand ton gars t'invite chez lui, ceci n'est pas un sujet de dissertation philosophique ou au thème de masturbation intellectuelle. Chacun viendrait étendre les limites de ses capacités cérébrales et mentales. En d'autres termes, ceci n'est pas un débat. La prochaine fois que ton gars t'invite chez lui, tu feras mieux de ne plus déposer des choses, faire semblant d'oublier les choses après pour rappeler que oui, j'ai oublié tel truc là-bas. Parce que ce que nous on fait, c'est quoi? C'est qu'on range tout ça là. On a une boîte devant nous, les garçons. Demandez à vos frères. On a un coin qu'on appelle service des objets égarés. C'est là-bas où on met tout ce que les nanas font semblant d'oublier. Parfois, moi, je mets des étiquettes. Hein. Slip de Carole. Ça, c'était le caleçon de Sabine. Donc, vous voyez, à partir d'aujourd'hui, vous arrêtez ça. Ça ne sert à rien. Allez, on s'abonne.